Marvin? This is bad. I've got zombies everywhere. Marvin? Marvin, are you there? Marvin? God, you gotta be kidding me. Alors, cette porte-là, ça sert à rien. On pourra jamais l'ouvrir. En tout cas, pas avec le scénario A. Parce qu'avec le scénario B, ou bis, comme il est appelé dans celui-là, c'est ici qu'on commence. Je vous montrerai peut-être ça si j'ai le temps. Ça serait déjà bien si j'arrive à faire le scénario A avant que Resident Evil 3 ne sorte. Alors, un outil de coupe. Enfin, on va pouvoir couper les chaînes. On va faire comme si on n'avait rien vu. Je crois qu'il y en a un derrière moi. Je crois qu'il y en a un derrière moi qui vient de passer par une fenêtre. Je crois qu'il y en a un derrière moi. Et merde! Vas-y, passe! Bon, je crois qu'il y en a ici. Putain, il y en a un là-bas. Lui, je sais pas s'il se lève. Lui, je sais pas s'il finit par passer. Oh putain, c'est un peu la merde. Hein. Oh! Grenade assourdissante! À équiper depuis l'inventaire, permet d'étourdir les ennemis situés dans la zone d'effet. L1 armé, R2 lancé, peut être utilisé pour contre-attaquer avec L1 quand un ennemi vous saisit, mais son efficacité est alors grandement réduite. Ah ! Merde ! Oh putain ! Oh putain ! Et il est passé par la fenêtre. Voilà. Enfin, toi, tu me fous la paix, plus ou moins. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Ah. Non, non. Tant pis pour le couteau, je m'en fous. Je peux pas passer! J'aurais mieux fait de garder le truc. Je suis dans la merde! Oh putain. Dans la merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde. Oh fuck it. J'ai plus d'objets de défense. Cette mort dramatique. Bon. Je vais me débarrasser de tout le monde. J'en suis où dans ma vie? Je suis en attention. Bon allez, c'est pas grave. Je peux rester comme ça un petit peu.
Je pense pas qu'il soit mort. Voilà, maintenant il est mort. Où ça? Je sais pas où. Je sais pas où ils sont. On va être prudente quand même, hein. J'aurais dû prendre le lance-grenade. Ok. Headshot, c'est bon. Ok. Bon, j'ai utilisé beaucoup de munitions ici, mais il le fallait. Oh. Est-ce que... Attends, dézoome un peu. Ok. Oh, il y a le fusible. Je suis passée à côté, je l'ai même pas vu. Bon, en même temps, j'étais un petit peu... Où est la porte? Encerclée de zombies. Je sais pas si je les ai tous tués, je pense qu'il en reste encore. Quoique. Ok. Ok, ça sera pour la salle de bain en haut. Oh, poudre blanche, bien. Ouais, j'ai encore des trucs à prendre ici. Il y a encore des trucs. Et il y a encore des zombies. Vu la musique... J'ai pas confiance, moi. Ah, il y a encore la nana que j'ai pas tuée, je pense. Sinon, j'aurais récupéré mon couteau. Je sais pas où elle est. C'est vrai, ça allait où? Je l'ai tuée, j'aurais oublié? Alors ça c'est un flic, ça c'est un mec, ça c'est un mec. Ouais, il y a encore la nana quelque part. Est-ce que j'ai vraiment envie de risquer ma peau pour un couteau? Non, je n'ai pas envie. Bah c'était toi. Je me rappelle pas t'avoir tué. Bon bah écoute. Voilà, ça c'est mieux. Ça j'ai pas besoin tout de suite. Parce que l'autre est presque cassé. Les plans, je sais pas si je vais en avoir besoin dans l'immédiat. Est-ce que je les garde sur moi ou pas? Écoute, on va déjà voir comme ça. Hein. On va voir. Pas sûr de moi, hein? Mais bon.
Okay. I gotta hurry. Oh, pauvre Marvin. Ah oui, 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 oui. Il y avait une autre chaîne par là-bas. Et fuck! Est-ce que j'ai le temps de... Non, j'ai pas le temps. T'as perdu ton chapeau! Fuck! Toi, t'es pas mort. Toi, t'es pas mort. Oh putain, je suis pas doué, hein. Bon, je crois que t'es mort. Ouais, ça a l'air. Je pense que je vais devoir repasser par ici, du coup, je préfère jouer la sécurité. J'ai bien fait d'en mettre un là! Et est-ce que j'ai bien fait d'en mettre un là aussi? Ouais. Est-ce que l'autre est sorti ou... Ah putain! Oh, salope! Oh, cette saloperie m'a fait peur. Elle m'a refait peur. Tiens. Hein. J'aurais cru que... Bon, écoute. Appareil électronique. Locker room. Donc la salle des... casiers. Je me rappelle pas, donc ici on a cap, ça doit être près de la salle de... enfin de la salle de bain, des vestiaires j'imagine. Ah oui, locker room, c'est vestiaire, c'est ça. On a dit quoi? Cap. C'est ça que j'aime bien aussi dans ce jeu. Oui, je sais, je n'arrête pas de dire que j'adore ce jeu. Il y a des indices, mais ils sont pas forcément sur des documents, faut un peu regarder autour de soi. Et ça, je trouve ça sympa. Alors ici, on a une porte-cœur. Oh, j'ai plus besoin du coupe-boulon. Ok. Et ici... Ah, je reviens ici. D'accord. Il y a ça, tiens. Un appareil électronique de taille moyenne qu'on n'a pas regardé. C'est une sorte d'appareil électronique... Mais il manque un c'est un détonateur sans pile. Un détonateur pour explosif C4. Il manque une pile. Donc il va falloir qu'on trouve une pile. Oui, on sait que t'es là, toi. Je vais aller dans la salle de sauvegarde après. Je vais d'abord ouvrir le casier. Parce que si ça se trouve, dedans, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas besoin d'avoir avec moi.
je m'en doutais. Bah, c'est vrai, je m'en plains pas, hein, j'aime beaucoup, hein, mais j'ai pas le lance-grenade sur moi. Je vais revenir. Je vais d'abord passer par la salle de sauvegarde. Ouais, je sais que t'es là. Réfléchissons, qu'est-ce qui m'attend? Je crois pas que j'ai besoin de ça tout de suite. On va rester comme ça pour le moment. Et on verra bien. Non, ici j'ai plus rien à prendre, apparemment. Je vais prendre une petite douche si on a envie. Personnellement, je le ferai pas. Je me rappelais qu'il se cassait la gueule, lui, mais je pense pas qu'il se relève. Ok, de la poudre, bien. Et rien. On a tout pris? On a tout pris. J'avais oublié qu'il était là, lui. Mais ça devrait aller. Si je cours pas, ça devrait aller. Si je ne cours pas, si je marche gentiment, ça devrait aller. Ça, vas-y, mange ton cadavre. Moi, je passe. Hein. De toute façon, dans ce jeu, les zombies peuvent traverser les portes. Enfin, les zombies peuvent ouvrir les portes, on l'a déjà vu. Mais pas les liqueurs. Les liqueurs, eux, restent dans les salles où ils sont. Ils peuvent pas passer les portes. Et heureusement, hein? Pas dans la merde, sinon. Alors ici, on a une pile. Et on peut combiner les objets directement quand on en ramassant. Ce que j'ai complètement oublié de vous montrer. Donc là, on a la pile. Si on le met sur le détonateur... Voilà, on peut directement combiner. Donc là, maintenant, on a un détonateur qui fonctionne. On va pouvoir aller le mettre à l'étage. Note interne. 22 septembre 1998. Avis de transfert de matériel. Coffre à trois chiffres résistant à la chaleur, déplacé du bureau des Stars de F vers le bureau ouest. 1F. Combinaison gauche 9, droite 15, gauche 7. Ce serait peut-être bien que je le note. Sauf que je n'ai rien pour noter devant moi. Tant pis, c'est pas grave. J'ai déjà oublié. Ah, je reverrai quand je serai devant le bureau. Alors. Ici, en fait, je vous ai pas montré à l'entrée parce qu'il y avait le liqueur, donc je me suis un petit peu dépêchée. Mais on est dans le bureau des Stars. Ici, c'est le bureau de Wesker. Avec des tableaux magnifiques. Ah, non, c'est ça que je voulais voir. Là, on a la photo qu'on voit dans l'original avec tous les membres des Stars, donc l'équipe Alpha et l'équipe Bravo devant un hélicoptère. Malheureusement, on peut pas voir très très bien, mais c'est exactement la même image que dans le 1, quoi. Enfin, dans le 1, que dans l'original. Oh, un Mr. Raccoon. Est-ce que je peux le péter avec mon couteau? Non.
J'ai vraiment pas été doué avec les Mr. Raccoon, j'ai l'impression. Ou alors, peut-être que... Ah, faudrait que je vérifie, mais... Peut-être qu'il y a des Mr. Raccoon dans la version de Léon et des Mr. Raccoon différents dans la version de Claire. Je ne sais pas, faudrait que je vérifie. Vu que j'ai joué majoritairement avec Léon, je suis pas spécialement... Enfin non, j'allais dire que je suis pas spécialement fan de Claire, mais non, c'est même pas ça, c'est juste que je préfère Léon, quoi. Ok. Ça doit être le bureau de Rebecca, hein, du coup. Cool. Putain, je suis pas redescendue. Je n'ai plus de place. Ça doit être le bureau de Chris. Parce qu'on a le... sa veste. On a le même logo dans le dos de Claire. Enfin, c'est pas tout à fait le même. C'est le même genre. On voit un ange. Et on le voit peut-être pas très bien, mais je crois qu'il y a écrit... Ouais, non, on voit pas ce qu'il y a écrit sur celui-là. Mais je crois qu'il y a écrit la même chose, « Made in Heaven ». Dans l'original, c'est beaucoup plus visuel. Et avec son costume, bah, peut-être que je peux vous le montrer, en fait. Non, je peux pas. Bon, j'ai pas envie de me casser la tête à recharger avec ça. Mais on peut le voir aussi. Dans sa tenue originale. Ah, il y avait un truc écrit, j'ai pas eu le temps de voir. On recommence. Authentification du compte requise, insérez votre clé dans le port USB. Donc ça sera pour... là, quand on l'aura, hein, du coup, parce que là on l'a pas. C'est surtout intéressant parce que... de l'autre côté, on voit une arme, hein. On voit une arme qui a l'air très intéressante. Ça a l'air d'être un fusil automatique, un Uzi. On peut pas passer. Je prendrai la grenade quand je reviendrai chercher l'arme. Là, on va marcher doucement. Hein, on va y aller doucement. Où il est? Je crois qu'il doit être devant nous. Ouh. Comment je vais faire pour passer? Il est en plein milieu du chemin. Putain, mais reste sur le mur. Comment je vais faire pour passer? Parce que, je vais vous montrer la carte, hein. Je pourrais très bien prendre un autre chemin, parce qu'il faut que j'aille jusque dans la bibliothèque. Mais moi, j'aimerais bien passer pour venir là et pour pouvoir débloquer cette porte-là. Parce que cette porte-là, de ce côté-là, elle est verrouillée. Mais si on vient par ici, il y a un cadenas, enfin un verrou qu'on peut ouvrir. Du coup, j'aimerais vraiment passer par ici pour pouvoir me débloquer ce chemin, pour pouvoir revenir plus facilement, peut-être plus tard, dans le bureau des Stars. Et aussi pour accéder à cette buanderie. Parce que je crois me souvenir qu'il y a des trucs intéressants dedans, donc... Il est là au-dessus. Ok. Bah voilà. On y est. Oh putain, je peux pas y aller tout de suite. Il me faut une clé.
Je pensais que je pouvais déjà y aller, mais non. Et merde. J'avais déjà tout pris ici. Ouais. Ok, bon. Je vais aller vider mon inventaire. Que j'avais oublié de faire. Ça va, il est toujours en vie. Ça, j'ai pas besoin. Ça non plus. Ça non... Ouais, non, ça non plus. Ça devrait, donc. Bibliothèque. Bibliothèque. Alors, je vais utiliser une petite technique de speedrunner ici. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Tout simplement pour me faciliter un peu la tâche. Et voilà. En fait, ici, je vais mettre le C4. Enfin, je vais mettre le détonateur sur le C4. Il met genre 5 secondes à péter, 10 secondes, je ne sais plus, c'est pas important. Bref. Je vais le mettre. Ensuite, je vais courir, sortir de la salle et directement re-rentrer. Parce que si on reste dans la salle... Cette étagère-là, avec le choc, se casse la gueule et bloque la porte. Pour pouvoir débloquer la porte, il faut se mettre à côté de l'étagère, rester appuyé avec X pour pouvoir redresser l'étagère, comme on l'a déjà fait au début du jeu. Et c'est une perte de temps et c'est assez dangereux car il y a un monstre qui va nous tomber dessus. Donc je préfère essayer de faire ça le plus vite possible pour éviter de me faire bouffer, hein. Alors, c'est pas vraiment de la triche, hein, mais... voilà. Voilà, comme ça, l'étagère ne tombe pas. Vu que la porte... En fait, c'est simple, vu que la porte... vu que la porte est ouverte, l'étagère ne tombe pas. Et du coup, bah, nous, on peut repasser par la porte tranquille. Et vu le cri qu'on vient d'entendre, je pense que vous savez très bien quel monstre va nous tomber dessus. Alors, il n'est pas là tout de suite. Il sera là quand on aura chopé le médaillon de cette statue. Ou alors, il est déjà là. Je ne sais pas. Et on verra bien. Quel était le code ici? Donc... Une tête, un arc et un serpent. Une tête. Je vois pas très bien ce que c'est. Ah, ça c'est l'arc. Et le serpent... Ça doit être ça. Médaillon vierge. Un homme avec un lion, ou alors c'est une femme, avec un lion et une licorne, hein, comme les deux autres médaillons en fait. Hein. Ah, il est là! Ouh. Heureusement que ces saloperies ne passent pas les portes. Putain, il a fait une griffe! Il a fait une énorme griffe dans le mur, alors qu'il n'est pas dans cette pièce. C'est fabuleux. Enfin, au moins, on a la paix maintenant, parce que de toute façon, je pense pas qu'on doit retourner dans ce grenier. J'ai tout pris, d'ailleurs. Oui, j'ai tout pris. Parfait.
Ah oui, je suis en train de me dire pourquoi c'est rouge là, mais oui, il y a encore un cadenas là qu'on n'a pas ouvert. Non, c'est bon. Quoique. Bon, on verra bien. Like it leads underground. Good. We can get out of this hellhole. Hey, Marvin! Guess what? I think I found the way out! Marvin, come on. Let's get you out of here. Let's go. Are you okay? No. I... Just go. Save yourself. Come on. Bad. We gotta get you to hospital. Please, now. Claire. We both know how this is going to end. Get out of the city. I can't just leave you here. Claire, please go. Do this for me. Okay. Hey, Marvin. Thank you.